Dans le reste de l'actualité, les salariés de Camaïeu sont en colère. À l'appel de la CGT et de Force ouvrière, quelques employés ont distribué devant le siège de l'enseigne à Roubaix des tracts pour alerter l'opinion publique sur leur situation. Ils dénoncent une augmentation de 30% des dividendes versés aux actionnaires alors que l'entreprise subit cette année une baisse du chiffre d'affaires. L'entreprise recrute actuellement 900 salariés, mais pour les syndicats, cette annonce masque en réalité 1200 départs. Aujourd'hui, les salariés sont excédés, comme a pu le constater Tanguy Lécluse. On voulait aussi clarifier certaines choses parce qu'il y a sur des médias qui expliquent qu'ils vont recruter 900 personnes. Mais ce qu'ils n'expliquent pas, c'est que chaque année, il y a 1200 départs. Donc quand on voit comme ça, on pense que c'est un effet d'annonce, 900 en 2014. Mais chaque année, il y a un turnover de 1200 personnes. Donc si on regarde bien, on perd de l'effectif plus que ce qu'on en gagne, quoi.